Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Banishers, Ghost of New Eden. Où est-ce qu'on était? Qu'est-ce qu'on faisait? Je me souviens plus, hein. Moi ça fait plusieurs jours que j'ai pas joué, vous le savez. La maladie, tout ça, tout ça. Ah oui, ça. Ça on avait fait. Ça c'était le moulin. Là il y a un truc à faire. Et mon objectif c'est quoi? Je me souviens plus moi. Allons, non. Allons là. Non. C'est... Ah oui, non, il faut être à un feu pour se téléporter. Alors. Oula. Comme je vous l'ai dit, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Ah, le feu le plus proche est loin. Bon, allez. Cassons-nous. Clore le cas de Caleb Watson. C'est où? Ça doit être là. Ça doit... Ah oui, c'est les herses. Oui. Et je dois aller là. C'est ça. Je m'en souviens. Il se souvient. Moi je cours, mais c'est par là au moins. Oui, c'est par là. Attends. Ah oui, c'est vrai que j'étais parti en mode on va se balader. Non, 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 on va avancer un petit peu quand même. C'est vrai, il y a ça. J'essaie de me rappeler comment on joue au jeu. Alors. Suivre la route et il y a un feu pas loin. Suis la route. On a oublié ça. J'avais oublié des ressources. Où ça? De l'argent. Ok, le feu est là. Oui, là. En avant. En avant, en avant. Hop. Et on court au feu et on se TP. Avançons dans l'histoire. C'est ça qui est important, c'est l'histoire. Ah, on a une évolution possible. Bah ça a l'air d'être celui-là le plus proche. Pourquoi celui-là est jaune? Je sais pas. Je l'ai pas allumé? Il y avait un feu mais je l'ai pas allumé. Connard! Voilà. Je mérite bien ce connard hein, quand même. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les... des anti-fantômes. Quel talent. Donc c'est par là. Hein. J'espère. Oui, c'est par là. On va aller allumer le feu, hein, parce que... Si jamais on doit y retourner, on sait jamais. Ça pourrait être pas mal que le feu soit allumé. N'est-ce pas? Non, parce que des fois, on doit retourner dans les endroits. Hein.
Allez, on y va. Non mais ça c'est pour gagner du temps sur le tournage, je gagne déjà 10 minutes. Est-ce que vous voyez tout ce talent? C'est comme les films américains au final. Il suffit de trouver des astuces. Faut traverser le pont et après aller vers... Alors, on va traverser le pont... attends... Traverser le pont... Ah non, il faut pas aller vers ça. Faut aller un peu plus loin. Continue, on va d'abord aller au feu avant d'aller faire Caleb. Ah oui, il y avait une histoire de cimetière, je crois. Le feu, c'est là à droite, c'est ça? C'est à droite. Hop là, allons à droite. Je me souviens absolument pas d'avoir fait ça, vous vous rendez compte un peu? C'est fou. Ça, c'est l'âge. Hein. Alzheimer, tout ça, tout ça. Alors, il faut suivre la route. Attendez, je suis vraiment passé à côté de cette maison. Ils ont l'air énervés. J'attends ton signal. Merde! Je me suis trompé. Moi aussi, je veux m'amuser. Fais attention. Merde. C'est pas sur lui que je voulais que tu tapes. Et un problème de moi. Headshot. Ok. Hey, j'étais vraiment passé à côté de ce feu sans l'allumer. Je vais devoir m'arrêter à un moment. Pourquoi pas ici? Et en plus, il y a un coffre. Mais qu'est-ce qui se passe? Mon petit AK? Que t'arrive-t-il? C'est l'âge, ça. Ok, juste l'allumer, on va pas se reposer. On peut améliorer ses capacités, mais sans se reposer, au moins ça fait par pop les glandus. Mais on améliorera nos capacités plus tard, je pense. Parce que là, on me dit qu'il y a un truc à vérifier. Il y a quelque chose dans le coin. Mais où exactement? Question. C'est par où? Le pchout. Il y a quelque chose par ici. C'est caché. C'est là. Haha. Un petit peu d'argent, pourquoi pas. Hein. Donc là, on me dit... Ne reste pas là. Ah. Mais... Ah, je me trompe de touche.
J'arrête pas de me soigner. Pourquoi j'arrête pas de me soigner? Ah, encore un... Ah, c'est un truc rouge infini, là. Oh. Ça m'intéresse moyennement. Pourquoi il me... Pourquoi il me l'indique pas? J'ai été sur le point. Faut que j'aille dessus, c'est ça. Il faut que j'interagisse avec. Bon. J'en viendrais presque à croire que ce nid de spectre n'attendait que moi. Voilà. Allez. Mais le truc infini, ça m'intéresse que très très peu, moi. Je sais, ça donne des loots, ceci, cela, mais... J'arrête pas de me soigner aussi. Pourquoi j'appuie sur la touche de soin tout le temps? Ah là 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 là. Bon, c'est pas très grave, on s'en sortira sans soin. Toujours moyen de s'en sortir avec du skill. Allez. Allez, on va avancer là-dessus. Ah, j'étais vraiment parti à Baba Loi de les Bains. Non mais c'est bien, il y a des choses à faire pour ceux qui veulent compléter le jeu. Moi, vous le savez, ça m'intéresse que très peu de compléter les jeux à 100%. Moi, je suis un mec qui aime bien les histoires. Allez. Bonjour. Mais... Montre-leur pourquoi il faut avoir peur des bannisseurs. Je peux participer aussi? Tu crois faire le poids face à un fantôme? Empêche ce spectre d'atteindre le cadavre. C'est bon? C'est bon. Alors... C'est un fémur? Je pense que je vois une rotule. Bon appétit. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Un truc ici... Des pilleurs de tombe? Oui. Mais qu'est-ce qu'ils volaient au juste? C'est une bonne question. Quoi ça? Ah, je casse les croix comme ça? Très bien. Pas de respect pour les morts. Il y a une autre tombe en dessous. Oh. Des écritures ici. Ah. C'est charmant. Hein? Qui? Oui, bonjour. Je suis là, tu sais. Oui, je sais. T'es bon? Si ce sont des croque-morts qui ont fait ça, ils devraient changer de métier. Il n'existe aucun métier qui convienne à ceux qui ont fait ça. Si, le métier de cadavre. Des leurres pour détourner l'attention des spectres rétifs. Rudimentaire, mais visiblement quelqu'un avait un peu d'entraînement. Mmh. Si gisait Alexander Watson. Est-ce que Caleb a pris leur corps? Peut-être pas lui, mais c'est mon principal suspect. Eh ben, c'est pas beau à voir. Les leurs pourraient nous montrer le chemin. Suis le chemin. Ne t'approche pas trop. Je vais essayer. Alors, chacun son chemin. Par ici.
Par ici. Il y en a d'autres. Ça sent mauvais. C'est ce que je disais. Cette pourriture. C'est de ça que je parlais quand je te disais de ne pas trop t'approcher. Mmh. Ok. Alors. Il était con celui-là. C'était un qui esquivait normalement. Après, si à chaque fois il y en a qu'un ou deux, ça devrait aller. Hein. Oui. Je peux t'aider. Encore un là-bas. Un tireur! Abattez-le! Je peux t'aider. J'attends ton signal. Il faut les suivre, c'est ça? Ok. Là, là c'est fait. Ensuite, là. Il y a une petite lampe là. Ça doit être par là. Hein. Un caillou. De la démonologie. J'aurais dû m'en douter. En avant. Allons voir ça. Il y a quoi là? Le coffre. Les richesses, c'est important. Elle. T'as la lila loula. Bonjour. Je suis Red McCrace. Je suis un gentil. Je suis sûr qu'il va y avoir des méchants ici. Moissonne. Oh. Bah d'abord, on en discute après. Je finirai par t'avoir. Ok. Qu'est-ce qu'il fait? Wow. Ce n'est pas encore terminé. Olé. Il est où? Merde. Olé. Fais gaffe. Ce moissonneur a changé de forme. Du physique au spectral. Ça leur... Ok. Attention, j'en vois un autre. Aïe. Risque de faire mal. Vas-y, fais. Aïe! Oh, sympa, ils m'ont redonné un soin. Wow, 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 wow! Tu vas tuer ça, voilà. Laisse désirer, hein? Viens là. Oh oui, je l'ai touché quand même. J'ai peur que... Je ne touche pas. Là, ça commence à devenir
Ok, il est mort. Fais appel à moi. Un fléau vicieux qui méprise les vivants. Sur ces terres. Quelle surprise. Des sanctuaires maintenant? Avec des os? On dirait le boudoir de Lady Blackwood ici. Je sens un écho à proximité. Allez. Eh, salut toi. T'es bien répugnant. Hein. Répugnant, oui. Mais aussi mal fait. C'est vraiment du travail bâclé. Parchemin. Tu es sûr qu'on n'a rien manqué? Avec un peu de chance, on y trouvera ce dont on a besoin. Parchemin? On n'a jamais eu besoin de parchemin dans le jeu. J'ai quelque chose de spectral dans le coin. Voilà, voilà. Parchemin! Ah bah tiens! Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à une version foireuse du rituel de Palingénésie mineure. Le rituel de... Ce rituel-là? Celui qui peut amener quelqu'un? Ce rituel-là? Oui. Ce rituel-là. D'accord. Un champ d'écoute, je suppose. Tokimi Andrasta, Skal Nam Fales. De la chair au verbe. Du verbe au cœur. Du cœur à la chair. Le nœud de la mort est intact et je le trancherai. D'accord. Toi ! Non ! Non ! Tu n'étais pas censé ! Quand on joue avec les démons... Calme-toi, petit. Viens à moi, Hood. Viens, mon amour. Reviens à moi. Caleb Watson a invoqué un fantôme sans lui offrir de corps à habiter. Donc le fantôme a pris le sien. Caleb n'est plus Caleb. Il est encore là aussi? Il a utilisé des morceaux de sa femme, mais aussi de son frère. Ruth, Alexander, Caleb. Ça doit être une combinaison des trois. Allons voir de qui il s'agit. Très bien. Mais c'est vrai qu'il avait l'air un peu bizarre, le monsieur, hein. Alors. Le monsieur, il était pas très très net net, hein. On s'en souvient, hein. Alors ça, quand ça va se passer, c'est parce que mon point zéro de joystick est foireux. Voilà, sachez-le. La manette est vraiment en train de décéder. C'est pas grave, hein, on en achètera une autre. Faut rentrer à la mail. Où ça? Et en voilà d'autres. Excusez-moi, monsieur.
Il est là. Rendez-vous. Voilà. Quel talent. Alors, mon petit Caleb. Mais certain que le rituel va fonctionner. Caleb s'est planté. Toi, tu vas t'en sortir. Tu as la trouille? Non. Non, jamais. Le rituel fonctionnera. Tout va bien se passer. Je te le promets. De toute façon, on s'en fout de ramener à la vie ou pas. Nous, il n'y a que notre femme qui nous intéresse. Les autres, on les sacrifie. Sur le chemin de la renaissance. On a dit qu'on faisait full méchant dans cette série. Après, il faudrait voir full gentil ce que ça donne. Et il faudrait faire un full gentil qui devient méchant ou un full méchant qui devient gentil. Tu trahis ta promesse, voir ce qui se passe. C'est bon. Tout va bien. Maintenant, plus rien ne pourra nous faire de mal. Si, moi. Foutez le camp. Je sais que vous n'êtes pas Caleb. On est allé au champ du repos. On y a appris beaucoup de choses. Vous n'êtes pas Caleb, je me trompe. Ou en tout cas pas entièrement. Ah, on vous la fait pas, vous. Alexander Watson. En gros, Caleb a tenté de faire revivre sa femme décédée. Et maintenant, je vis ici. J'ai tellement de questions. Par où commencer? C'est une bonne question, ça. Partager le corps de Caleb? Partagez-vous tous les deux le corps de Caleb? Partager? Non. Cette carcasse est à moi. Mais comme je suis généreux, je laisse mon cher frère occuper la cave. On était jumeaux. Il disait que j'étais la mauvaise moitié. Qui est mauvais et pourri sur place maintenant, hein? Qu'est-ce qui est arrivé? Il tentait de faire revivre sa femme. Quel était le rapport avec vous? Caleb était un bon cordonnier. Un piètre frère. Un mari pire encore. Et un sorcier lamentable. Il a chié le rituel. Évidemment qu'il l'a chié le rituel. Il y a autre chose que vous devriez savoir. Si c'est pas déjà le cas, je suis pas seul. J'ai accompli le rituel. Ma chère Ruth est là, elle aussi. À propos de votre mort. Vous êtes mort en essayant de sauver Ruth d'une maison en feu. C'est vrai? Ouais. Où était Caleb? Et où était Caleb à ce moment-là? Il était là. Enraciné, pétrifié sur place. Et puis après... il était trop tard. Il n'a rien pu faire à part nous regarder brûler. La réputation de Caleb était déjà mochée. On l'a simplement achevé. On sait que Caleb mérite ça? Caleb n'était pas un saint. Mais là, c'est vraiment sinistre. Est-ce qu'il le mérite? Ouais, et il le mérite. Et c'est pas comme si je l'avais tué. Il est là, quelque part, vivant. Et il m'entend dire du mal de lui. Et il m'entend salir sa réputation en ce moment même. Comme je l'ai entendu salir la mienne quand il m'a traité de fornicateur. Charmant. Il a volé notre amour. À Ruth et à moi. Et il l'a tué. Aujourd'hui, notre amour est revenu. Et il peut rien y faire. Caleb est un goujat. Je lui chie à la gueule. Qu'il souffre. Pourquoi ramener Ruth? Vous avez utilisé le rituel pour ramener l'esprit de Ruth dans le corps de Caleb. Pourquoi? L'amour nous fait faire des choses étranges. On mérite une vie meilleure. Je me suis décidé à la réclamer. Est-ce que Ruth voulait? Je comprends votre colère et ce que vous désirez. Mais qu'en est-il de Ruth? Vous avez pensé à ce qu'elle voulait? Caleb a volé ma vie.
mais il a aussi volé la voix de Ruth. Elle se recroquevillait face à lui. Bien sûr qu'elle voulait une seconde chance. J'aimerais entendre ce qu'en pense Ruth. Puis-je parler avec elle? Non! On a enfin trouvé un peu de bonheur. Je vous laisserai pas nous prendre. S'il vous plaît, laissez-nous tranquilles. Laissez-nous au moins ça. On doit parler avec elle, d'une manière ou d'une autre. S'il ne veut rien nous dire, peut-être que la maison où elle est morte nous en apprendra plus. D'accord. Je vais vous laisser tranquille pour l'instant. Tranquille? Pas vraiment. C'est bon. Tout va bien. Ruth a une liaison avec Alexander dans le corps de son mari. C'est dégoûtant. Ouais, j'ai beau être ouvert d'esprit, ça reste dégoûtant. Quelque chose cloche. À propos de Ruth, si on trouve son lien, on pourra lui parler. Alors, la maison de Ruth. Car l'Éternel connaît la foi. Ah oui. C'est laquelle? Non, celles-là, elles sont en construction, elles n'ont pas brûlé. Ça, c'est en construction aussi. Ça n'a pas brûlé. C'est la maison qui a brûlé. Ah si. Le toit s'est effondré sur eux. Il y a beaucoup de débris. Alors... Pour le toit, hein. Sois prudent. C'est plein de chasse fantômes. Alors. Comment on rentre là-dedans? Il y a forcément un passage évident que je ne vois pas. Attention, les chasses fantômes. On peut pas aller là, je crois. Non, c'est derrière la maison. Là, on peut pas y aller, là. Alors. Là, on peut pas descendre. On est d'accord. Ça sera pour remonter plus tard. Des chasses fantômes. À toi de jouer. Alors, par contre, par là, on peut peut-être y aller. Oh. Les chasses fantômes me semblent bien d'ici. Ok. Là, il y a quelque chose. Ah bah oui. De touche. Plus efficace que d'un coup de canon. Alors. Donc il y avait bien un chemin évident que je n'avais pas vu. Alors. Rentrer par là, on peut rentrer par là. On va pouvoir pousser la charrette pour la mettre là-bas. Ok.
près là. Oui. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Une lettre. J'ai encore une discussion avec Caleb ce matin. J'étais parti me balader et je l'ai retrouvé en pleurs dans le jardin à mon retour. Il s'est excusé et je l'ai mal pris. Il est gentil et romantique et il m'écoute. C'est pour cela que je l'ai épousé. Mais je suis parfois mal à l'aise. C'est mon mari et je suis une épouse, une femme qui veut être aimée et non vénérée. Ah. Il était beaucoup trop amoureux de sa femme. Elle n'a pas apprécié. Construisez des temples à... pour vos femmes. C'est toujours un bon plan. Alors, je peux pas passer par là parce qu'il y a une barrière qu'on ne peut pas casser. Mais je peux passer là. Ah oui, d'accord, c'était le seul moyen d'entrer en fait. Donc ce truc là, c'est la sortie. Trop loin. Déjà, on va ramasser les ressources si tu veux bien. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose ici? Non. Des ressources. Ah. Il y a d'autres ressources, on les a vues. Un cœur humain flétri ayant autrefois appartenu à Ruth. Ah bon? Comment tu le sais ça? On ne sait pas. Ce lieu est imbu de l'essence de son fantôme. Lorsqu'une résolution aura coupé le lieu du fantôme avec le monde, ça... Ok. Bien sûr, c'est le cœur de Ruth qui les retient, comme un boisseau de maïs en décomposition. Magnifique recueil illustré la main des oiseaux de New Eden. Oh, oh oui, c'est très, très joli. Il y a une vraie sensibilité derrière ce travail. C'est Caleb qui a fait ça? Peut-être. Oh. Certainement qu'est-ce pas. Qu'est-ce que vous avez là? Je pense qu'on vient d'en apprendre un peu plus sur route. J'ai vu des ressources. Ah oui, mais il faut pas. D'accord, il y avait un truc derrière la. La charrette, mais c'est pas grave, on va pouvoir y aller, même s'il y a Alexander qui est là. Arrête-toi là, sale voleur! Je sais pas ce que t'as trouvé! Mais c'est pas à toi! Vous avez enterré le cœur de Ruth dans les cendres de la maison où elle est morte. Je trouve ça bizarre. T'es mal placé pour parler, toi! Un fantôme qui est allé fouiller dans les cendres de la maison d'une morte! J'avais bien senti ta présence. Fermez-la, que je puisse parler à Ruth. Ruth, vous m'entendez? Vous pouvez parler? Cassez-vous, c'est moi qui suis en charge ici. Ah non, calme-toi, Alexander. Je vais parler. Je suis Ruth. Je vous entends. Je suis Antea Duarte, et on est là pour vous aider. J'en suis ravi. Je vous en supplie. Mettez fin à ce cauchemar. Aidez-moi. Allez vous faire foutre. On va très bien. Et vous n'avez pas le droit. Vous m'entendez? Vous n'avez pas le droit. Ok. Je pense qu'il se passe des choses dans sa tête à ce monsieur. Pas facile d'être à trois à l'intérieur. Est-ce qu'il y avait? Oui. Le coffre avant les résolutions, c'est évident. Manifestation forcée? Ou champ d'écoute? Champ d'écoute? Scare! Rendez-le-moi! Kimisho Mahunyani. Non, donc c'était bien manifestation forcée. Ça n'a pas marché. Je suis bien planté. Avil un falachtuli.
Il ne m'empêche plus de parler. On peut discuter. Ah, très bien. Ah oui, non, c'est jouer à l'autre truc, c'est pour descendre. Aidez-moi. Quelles sont les nouvelles? Au bout de la lettre. La lettre de Caleb a changé votre vie. Qu'est-ce qu'elle vous a fait ressentir? Sa lettre m'a déchiré. J'aimais Alexander. Mais je méritais d'épouser un homme sincère. Caleb avait l'air honnête. Je croyais qu'il m'aimait. Je pensais avoir épousé le meilleur des frères. Mais j'avais épousé un menteur. Un menteur et un monstre. Et pourtant, même lui ne mérite pas ça. Personne ne mérite ça. Comment Caleb vous traitait? Il me vénérait. J'étais son idole. Vénéré, mais pas aimé. Il était le sculpteur et j'étais la statue. Je ne faisais que sourire, immobile et silencieuse. Depuis mon piédestal. Aujourd'hui, me voilà dans une enveloppe purulente, avec les restes de mon mari et le fantôme en colère de son frère. Je vous en supplie, aidez-moi. Qui a enseigné le rituel à Caleb? Qui a enseigné le rituel de résurrection à Caleb? On ne peut pas vraiment parler d'enseignement. Il l'a simplement lu sur une page. Caleb est un bon cordonnier, mais ce n'est pas un sorcier. Caleb était curieux. Pendant qu'il travaillait, il tendait toujours l'oreille pour épier les discussions de ses clients. Le jeune Haskell, par exemple. Caleb travaillait sur les chaussures du gouverneur et l'ami parlait de magie. Des absurdités. Mais Caleb écoutait. L'ami Haskell? Attendez, c'est le petit l'ami Haskell qui a donné le rituel à Caleb? Quand l'ami a parlé du rituel, Caleb est devenu obsédé. Il l'a supplié. L'ami, bien trop généreux, le lui a donné. Caleb était déterminé à pratiquer la magie noire. L'ami lui a fourni des instructions écrites. Ruth, votre mari Caleb a bâclé son rituel de résurrection qui vous a ramené à la vie. Ce qui a permis à son frère de vous prendre en otage. Quand on se sera occupé des frères Watson, vous pourrez effectuer votre ascension. Faites ce que vous avez à faire. Je l'accepterai si ça me permet d'être libre. Non ! On peut rester ! S'il te plaît, Ruth, laisse-nous rester ! Regardez-vous, vous êtes une contrefaçon, un simulacre. Votre vie ne ressemble en rien à une vraie vie. Caleb a menti et a volé votre amour. Mais au moment opportun, vous avez menti et volé son corps. Nous allons mettre un terme à cette folie. Alors, bannir Alexander. L'ascension d'Antea, non. L'ascension d'Antea, non. Résurrection d'Antea, oui. Caleb Watson, on ne peut plus vous sauver. On peut seulement vous accorder la clémence de l'oubli. Mais... et moi alors? Et Ruth? Ruth est libre de partir. Je peux partir en paix maintenant. Merci. Donne-moi ton arme! Et une de plus. Non, pas maintenant. Pas maintenant, pas encore. Je gagnais. J'étais en train de gagner. Bien. Alors, nous disions donc... qu'est-ce qu'on était en train de dire? Ah oui, j'ai ça à faire évoluer. On est d'accord que ça, c'est fait aussi.
Très bien. En avant, hein. La frontière entre la haine et l'amour est ténue, et on peut facilement passer de l'un à l'autre. Surtout entre deux frères. Rien de tel que les liens du sang pour faire du mal. Alors, moi, il y a un truc qu'il faut que je regarde. Ne le prends pas à cœur. Leur choix ne te concerne pas. Nos choix me concernent. Et leurs conséquences aussi. Notre histoire d'amour aura une meilleure fin. Je serai comme avant. Comme si je n'étais jamais partie. Oui. D'accord. Bah oui, évidemment. Maintenant, voyons ce que l'ami Haskell a à dire sur la résurrection des morts. Il y avait un cas de hanti, je sais plus où. Non ? Ouais, là-bas. On va peut-être aller faire ça aussi. Est-ce qu'il faut pas tous les faire pour la faire la résurrection d'Antea ? Non, je pense pas. Je pense que les principaux, ça doit être bon. Bon, allons voir. Et où tu ? Il est là, quelque part. Il est là, dans cette demeure. En avant ! Je vais te tuer, connard. Oh, des ressources. On peut monter, là ? On va fouiller, hein. J'essaye de voler des choses, moi. Pardon, faire de la récupération. Sans en ont pas besoin de ces ressources. Moi, oui. Alors... Bonjour. Monsieur ? Oui, monsieur Macreis. C'est un cas inhabituel. Je dois admettre que cette affaire est très singulière. Certes, mais l'avez-vous résolue ? Je crois bien, oui. Mais le coupable n'est pas responsable de l'épidémie. Du moins, pas directement. Avez-vous trouvé la sorcière, oui ou non ? Il y a quelqu'un qui s'est adonné à de la magie noire. J'ai son nom. Dans ce cas, qu'est-ce que vous attendez ? Vous voulez pas connaître son nom ? Son nom ne vous intéresse pas ? Ce n'est pas la peine, c'est le principe qui compte. Pas vraiment. Il s'agit de... Lamentation Haskell. Non, impossible. Mon fils est studieux, curieux, peut-être trop curieux parfois, mais il ne ferait pas de mal à une mouche. Il a montré un rituel à Caleb Watson, qui s'en est servi et s'est retrouvé possédé. Même si c'était vrai, cela prouverait seulement que mon fils a été exposé à la corruption. Apportez-moi la preuve, bâtisseur. Trouvez la véritable source du mal. Je vous la rapporterai. Comptez sur moi. Ah, le mec veut qu'on élimine, mais quand c'est son fils, là, il n'y a plus personne. Je dois trouver votre fils, monsieur le gouverneur. Le plus tôt sera le mieux. Il se laisse mener par sa curiosité. S'il n'est pas là, c'est qu'il fait ses affaires ailleurs. Il a repris une des maisons abandonnées qui s'y trouve. Je les avais fait évacuer lorsque la maladie s'est déclarée. Tenez, prenez la clé. Allez voir par vous-même. Vous vous trompez à son sujet. Vous vous trompez sur mon fils. Inutile de mentionner que je compte sur votre discrétion. Peut-être. Clé du portail. Ah, bah c'est le portail... qui est fermé à l'extérieur, là. Il était prompt à condamner jusqu'à ce que son fils se fasse accuser. Qui protège-t-il vraiment ? On lui apportera les preuves qu'il demande. Si l'ami est coupable, son père ne pourra sans doute pas le protéger. Pardon. Des fois, j'ai des envies de meurtre. Hop ! On ira.
J'ai la clé. Alors, est-ce qu'il y a des choses à ramasser ? Quelque chose émane de cet endroit. Je comprends mieux que l'accès soit interdit. Ah oui. D'accord, il y a un... un super saut. Il n'y aura pas un deuxième boss, enfin je pense pas. On vient d'en affronter un boss. Ah, eux. Appelle-moi si tu as besoin. J'en connais un qui me fait un caprice. Fais appel à moi. Bon. Ok. Des ressources là-bas. Oh. Hop là, merci. L'ami se cache sûrement dans un de ces endroits. Alors. L'ami, vous êtes là ? Est-ce qu'il sera encore vivant ? Telle est la question. Un livre de l'herboriste. Un ensemble d'outils. D'accord. Des scalpels, tout ça, tout ça. Le coffre, évidemment. Je les sens, les coffres. C'est un talent naturel. Le saviez-vous ? Je suis là pour dénicher des richesses. Si c'était vrai. Il doit y avoir un moyen d'ouvrir cette porte de l'autre côté. Ah, une fenêtre ? On peut passer de l'autre côté ? Ah oui, il y a un chemin là. Ah oui, non, on peut pas y aller. On ne peut pas y aller ici. Alors, ça c'est pour descendre, aller par là. Est-ce que ça nous intéresse d'aller là-bas ? Non, enfin je pense pas, on va aller voir mais... Évidemment que si, ça nous intéresse. Un fragment d'âme. Et là, on peut descendre là, c'est un retour. Très bien. Du lierre bloque le chemin. On l'apprend quand le pouvoir pour casser le lierre ? Peut-être ici. Détruis ces chasses fantômes. Si tu veux que je revienne. Non, reste là. Ah, chasse fantôme est là. Alors,
Je peux pas l'avoir de là. Mais ça, on est d'accord, ça, je peux toujours pas les péter. Des chasses fantômes. Tu penses pouvoir te débrouiller seul ? Comment je fais pour péter ce chasse fantôme là ? Ça ne suffit pas, hein. Bon. De toute façon, c'est pas là qu'il est. Il est bien dans cette maison là. Donc on doit pouvoir passer derrière. On doit pouvoir casser la barre qui bloque la porte. Oui, et ça c'est de là qu'on pourrait y aller. Ok. Donc c'est bien là qu'on va apprendre à casser le lierre. Impossible de viser d'ici. Donc il y a moyen de faire le tour de la baraque. Ben oui, il y a moyen de faire le tour, oui. Vu que c'est ouvert. Je l'avais vraiment pas vu. Hein. Ok, ça c'est... Corvus Kovacs, un grand corbeau, omnivore et opportuniste. D'accord. Une carte. Ouais. Avec des traits. Pas trop ce que ça représente. Les incisions sont nettes. C'est du travail d'expert. Elle est faible, mais il y a bien de la magie ici. Ah! Clé du coffre de lamentation. Ah bah. Tombe bien. 18 mai 1692, mon cher l'ami. Comme toujours, ce fut un plaisir de te parler. J'apprécie ton enthousiasme et ton esprit vif. Tu me fais penser à moi quand j'avais ton âge. Avide d'en savoir plus sur les grands mystères de notre monde. De tous les mondes. J'aurais aimé pouvoir rester plus longtemps, mais je dois retourner à Providence. D'ici là, voici quelques notes pour étancher ta soif. Ce sont les maigres recherches de mon humble personne a pu mener avec du temps et de la patience. Je crois qu'il est juste d'admettre que nous ne savons presque rien sur le terrible Aralu que seuls les rares ouvrages osent mentionner. S'agit-il de cet enfer mystifié que seuls les plus courageux ont l'audace de visiter et d'en revenir vivants? S'agit-il d'histoires oubliées, de fragments d'une vérité cachée ou perdue? Je ne sais pas, mais je sais ceci, mon cher l'ami. Toi et moi sommes comme Orphée, prêts à traverser les eaux interdites pour ramener notre seul amour. Mm-hmm. Cartographier ces terres inconnues, franchir le seuil et parcourir avec bravoure ces déserts interdits. Ces rivières gelées dont seuls les plus fous poètes chantaient la beauté. Voir ce qui se tient au-delà et revenir pour en rêver toujours plus. Que c'est exaltant, mon ami. Quel objectif, si seulement j'étais plus jeune comme toi, je te suivrais dans ton extraordinaire aventure. Pour l'instant, je peux seulement te conseiller d'être prudent. Le seuil entre notre monde et l'autre est plus fin à New Eden. Ce n'est pas pour autant qu'il sera facile de le franchir. D'après mes recherches, certains ont déjà essayé, des sorciers inférieurs et de piètres sorcières. C'est peut-être pour cette raison que le seuil est si fin.
ou que les morts semblent autorisés à errer sur ces terres si facilement. La semaine dernière, alors que je menais mes propres recherches, j'ai clairement senti les vibrations particulières provenant d'un ancien moulin situé au-dessus d'une falaise en bord de mer. C'est un endroit effrayant pour tout dire, si tu veux tenter de trouver le seuil vers le mythique Aralu. Avant notre prochaine rencontre, tu devrais peut-être commencer par là. Mais sois bien préparé, mon garçon. Mon vieux cœur ne supporterait pas de te perdre. Un vieux moulin. Garde tout ceci secret jusqu'à notre prochaine rencontre. Étienne Roulé. Aralu. Tu sais ce que c'est ? Non, pas du tout. Il a mentionné un vieux moulin. Un endroit qu'il fascinait. Allez, on ouvre ça. Et on s'arrêtera dès qu'on peut. Rien de compromettant. Pour l'instant. N'oublie pas ce qu'on a trouvé chez Caleb Watson. Peut-être qu'on ne cherche pas au bon endroit. Si j'avais quelque chose à cacher, je le cacherais sans doute dans un moulin abandonné. Ah, le moulin. Et ben voilà, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.